Donc bonjour à tous, c'est Oracle 90, on se retrouve pour l'épisode 2 de Pokémon version rouge. Donc c'est en Insect Challenge. Donc pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, le principe est simple. Donc toute ma team, tous les Pokémon de ma team sont de type Insect. Et oula, qu'est-ce qu'il y a? Oracle, attends, tu vois, j'ai un assistant. Ah, des chaussures, ok. 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 Donc voilà, je peux capturer deux fois le même Pokémon. Mais c'est un Pokémon par zone, donc voilà. J'ai pas le droit d'utiliser des rappels que j'ai achetés, hein, mais si je les en trouve, je peux les utiliser. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La revenant. Ah merde, ma précision fait mal. Va changer Pokémon parce que la précision qui a baissé là, ça m'en ouf. Donc on a battu Pierre. Ça a été ouais, on va dire un petit peu moyennement facile. Ça a été moyennement facile, mais bon, on l'a battu. Surtout grâce à Papillusion. Hein. Le choc mental a été destructif. Hop, voilà. Donc là, on va entraîner D'Artagnan pour essayer. En fait, moi, ce que je veux dans ma team, c'est d'avoir les niveaux des Pokémon, on va dire, quasiment au même niveau, en fait. Donc là, ça va être un petit peu chiant, là, parce qu'on est un petit peu sec. La vitesse qui prend cher, bordel. Voilà, 5 fois, je crois que c'est le maximum. On va changer Pokémon vu qu'ils ont baissé sa vitesse, ça c'est vraiment pas cool. Et je pense que je peux avoir un Pokémon esclave en fait, pour lui filer des attaques que j'ai même pas envie d'utiliser, genre coup, flash. Je peux même capturer des Pokémon que j'aime pas, mais bon, jamais je les utiliserai. Voilà. Ta 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 ta. Alors, un petit ratata, ça va être facile, je pense. Ah, critique. Bon, ce qui me fait un peu chier, c'est qu'il n'a pas d'autres attaques. Ça risque de me poser un gros problème. Ok, on l'a mis KO. Un Abo, on va changer Pokémon. Parce que Abo est du type poison. Et comme Darvenet c'est aussi du type poison, ça va pas trop marcher. Ah merde, la tenue. Il a fait baisser ma défense. On s'en fout, déjà mort. Dans le mont Sélénite, il y aura des paras. Merde. J'avais pensé au Chitifleur, mais non, on va pas prendre du Chitifleur.
Aïe aïe, ça douille, ça douille, ça douille. Non. Oh, le Viva Attack, je l'avais même pas vu. Ah, bravo. Bravo. Je m'attendais pas. Enfin, je m'attendais pas du tout. J'avais complètement oublié qu'il pouvait apprendre. Non. Non. Qu'il pouvait apprendre Viva Attack. Ok, donc ça c'est bon. On va retourner au centre Pokémon. En tout cas, bravo, hein. Mais bon, d'Artagnan n'a pas des attaques hyper intéressantes. Malheureusement, ça nous a coûté cher. Mais bon. C'est le défi en fait. Si vous pouvez aller apprendre une attaque de type vol, ce serait intéressant. On va faire Fury. Baisse ma vitesse, c'est pas con du tout. C'est chiant même. Et on voyait quoi, je finis pas. Je pense que je peux faire d'Arvenin. Voilà, ça a été un petit peu long, mais bon. Niveau 13, est-ce qu'on va prendre une nouvelle attaque? Que dalle. Oh là là, je crois que je vais m'endormir. Voilà, oh, je me suis réveillé. Ok, on peut commencer là s'il vous plaît. Ok.
putain, tout ça pour ça, quoi. C'est trop peu pour ce que je fais. Merde, c'est pas ça en fait. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là, la bourde, la bourde. Donc ouais, désolé, il y avait une erreur en fait dans le layout. C'est ma faute, j'ai pas fait vraiment attention. Oh merde. J'ai pas vraiment fait attention, ça c'est ma faute. Au niveau des badges. Et une erreur, c'était ma faute. Bon, là je l'ai corrigé. C'est un petit peu la honte. Hein. C'est la honte. Mais bon. Heureusement, je l'ai vu que maintenant, parce que si ça faisait deux épisodes là, ça aurait été vraiment là. Ça aurait été pas été sérieux. Je suis désolé. En fait, j'avais complètement oublié à quoi ressemblait le badge de pierre, en fait. Je sais pas. J'ai pas fait attention... J'ai pas fait attention quand je l'ai... quand j'ai téléchargé l'image et tout. Et quand j'ai fait le montage... voilà. C'était con de ma part. J'ai pas fait gaffe. Que deux fois, c'est le minimum qu'on pouvait avoir. Très d'acier, non. Voilà, ça c'est bon. Je pense que pour Ondine, ça va passer mes crèmes en fait. Crème peut-être pas, mais je pense que ça va bien se passer. Allons, Doudou. Le mieux c'est de l'empoisonner, forcément. Sauf s'il nous fait berceuse. Heureusement que ça a fait après qu'ils soient empoisonnés. Hein. Bon là, mur. On va peut-être avoir un Mimitos, hein. Dans le Mimitos, où on peut le trouver. C'est après normalement. Il y a des Pokémon intéressants là-dedans. Ah, des Piafabec, non. J'ai déjà eu un Piafabec.
Ça va, au début il peut être utile, mais... Voilà, sans plus quoi. Non. Non, je veux pas lui... Ok. On va essayer de trouver notre parrain du coup. Ah, j'ai pas acheté du Pokéball. Je crois qu'il me reste encore 3, mais ça va être chaud. Valgrim. Qui pourra prendre cette attaque? Pas de Pokémon insect, je peux passer. Ah merde. Pourquoi il n'a pas fait évoluer? Il aime vraiment les aspicots. Donc là, je pense pas que D'Artagnan va être utile ici. Hein. Le poison et le normal, ça marche pas trop sur les Pokémon du type roche. Alors que... Il n'y aura que mon... mon papillon pour faire face. Non, ça m'intéresse pas. Un antipara, ouais. Ça peut toujours être utile. Un caillou, non, c'est bon. Eh, je crois qu'il y a un mélofé. En soi, mélofé n'est pas intéressant, mais depuis, enfin, depuis que il a le type fée, donc ça c'était vachement. Intéressant hein, de l'avoir. En ça, elle est pas très rapide, mais très défensif. C'est ça, tu veux encore? Putain, on pose le mieux, là, sans déconner, là. Elle va nous buter. Oh là là, 5 fois. Oh, punaise. Réveille-toi, du con. Elle va nous tuer. Je vais juste l'empoisonner. Aïe. Ok, on va changer de Pokémon. Tu m'as déçu, D'Artagnan. Bon, c'est t'aurais pu faire face, mais non. Thank you.
Voilà. Tu m'as déçu. Ah merde, je me suis trompé de touche. Ma balle, ma balle. Un autre caillou. Ouais. Même si c'est pas fusion. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, il va monter au niveau 15. Puissance, c'est toujours mieux que sécrétion, je pense. Alors, on va changer. Ah, tu m'en enquêtes chez nous, les voleurs de Pokémon. Ça peut être... Ouais, why not. Aïe. Ah merde, il a vraiment tenu en fait. Il va attaquer. Ah non. Non, ça aussi ça va marcher. Alors, est-ce qu'on peut avoir un truc intéressant, un morceau d'étoile? Alors, tu m'intéresses pas. Allez, on continue. Ah, niveau 9. J'aurais préféré un petit peu plus. Ah non, ma po... On va paralyser. Ah merde. Parasport. Donc notre troisième Pokémon. Est-ce qu'il est bon? Ah, oh, on part tous à un objet, un petit champi. Pause, sport. Espoir, si touché. C'est pas fond du tout français cette attaque. Bon, on va aller le soigner. Mais je pense qu'il va, il va nous aider. Hein. Alors, para Pokémon. Évolue au niveau 24 en parasect. D'accord.
Podotoxie, Vampirisme, quel niveau? Ah merde. Ok. Vampiriste au niveau 11. Bon, soit. Attends, est-ce qu'il y a le multi-expérience dans ce jeu Pokémon? Feu, multi-expérience. L'assistant du professeur Chen dans le bâtiment nécessite 50 captures de Pokémon. Merde, j'ai aucun Pokémon. Je pourrais pas avoir 50 Pokémon. Pas possible. Ah merde, ça va être compliqué. On va changer Pokémon. Je crois pas qu'il a le type acier. Ça n'a fait pas. Si, là. Il a le il a le type fer. Va falloir qu'on change aussi de Pokémon. Ah putain. Voilà. Pas trop efficace, ouais, je sais. Ok. Bon, c'est combien à l'air de marcher. Est-ce qu'on va utiliser des potions? Je crois que je me reste 2, 3. Bon, ça devrait suffire là pour l'instant. Ah merde! J'ai baissé ma vitesse. Mais on s'en fout du trafic que moi.
Vite, 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 vite. Parfait. Quoi, c'est pas nous ce qu'il va prendre. Ah non, ce nouveau quoi? Vampirisme. Sérieux? Ce nouveau vin? Ma gueule. Super bon, ouais. Une corde de sortie, ouais, one note, ça peut toujours être utile. Alors, le Pokémon mystère. Ah, si j'avais le vampirisme, ça aurait été tellement ouf. Voilà. Le mec il voulait pas que je parle. Mais bon. C'était à tort. Ok. Je vais juste regarder les niveaux de mes Pokémon. Ça craint. Toi tu m'énerves. Putain.
Là, sur un ticket. On va changer Pokémon parce que le vampirisme là ça va diminuer. Larsin, non. Patata, ok. On va changer Pokémon. Ok, un Estratata. Ça veut dire oui. C'est trop toxique. C'est pas du tout que je voulais qu'il y ait après cette attaque. Ah merde, le type proche. Aïe aïe aïe. Donc ça c'est fait. Pierre lune ça sert à rien. Pas la trouille.
Putain, mais merde. Donc là, sur un pêche, je peux l'utiliser. Porte de sortie. Oula. J'avais un chute de FPS, je comprends même pas. Putain, je voudrais quand même terminer l'épisode. Sortant de ce truc en arrivant à Azuria. Là normalement on est à environ à 60%. 70% là. Non mais laisse-moi tranquille. Non. Putain, il y en avait un au niveau 10. La malchance, on a trouvé au niveau 8 il me semble. Ok. Merde, cherche le chaos direct. Sa belette, ça risque de poser un gros problème. Changer Pokémon. Ouais, ouais, moi aussi je suis épuisé. Hein. Punaise. Attends, attends. Pourquoi le vampirisme est quand même hyper efficace sur lui? Ah, parce que c'est un Pokémon de type plante. Oh là 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 là, j'utiliserai le super bonbon tout à l'heure. Bien aimé, mais bon.
pas changer Pokémon. À l'ultrason, ça en revanche, ça peut être intéressant au début du jeu. Ah, c'est pas. On va utiliser le super bon. Putain, de facile. Deux Pokémon, c'est ça? Trois. Ah, t'as de mort. Bon, ça tombe plutôt bien. Vite! Octobre. Snowgo. Je pensais qu'il avait exploré une magnétie, mais tant pour moi. Ok, donc. Là je pense que ça se passe bien pour celui-là. Bah voilà, on en a terminé. L'antidote, ouais, pas forcément utile, mais bon. Aucun de mes Pokémon sont aptes. Ah, c'est triste. Hurlement, ouais. Normalement, c'est ici où je peux avoir un Mimitos, non? Cafabec. Non, c'est pas ici. Si. Donc là, on est à Azuria. On va soigner le Pokémon. Ok. Alors. Parce que là c'est pas possible. C'est impossible. Salaud! Un abo. Salaud, laisse-moi tranquille. Ok. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, les gars.
Ouais, il n'y a pas de limites ici. Bon, les gens, on va s'arrêter là. Je pensais pouvoir terminer cet épisode avec un capture de Mimitos ici. Mais il semble que je n'en retrouve pas. C'est bizarre. Parce que je suis sûr qu'on pouvait en trouver ici. Enfin bref, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve pour l'épisode 3. Que je vais faire cet après-midi. Fin d'après-midi, vous peut-être plus tard. Allez, ciao tout le monde, à plus.